Et voici la famille Johnson. Elle a été élue famille de l'année à Stamford, une petite ville tout près de New York. Le père est un important avocat, la mère est agent d'immeuble et le fils aîné est agent de change en bourse à Wall Street. Les jeunes enfants sont encore à l'école. Je suis sûr que vous allez les adorer. Nous avons eu beaucoup de chance de trouver une famille aussi éduquée et cultivée que la famille Johnson, qui possède toutes les qualités requises et qui est déjà désireuse de partir pour le Québec. Les filles se sont déjà tricotées des ceintures fléchées. Alors, si j'ai bien saisi, nous voulons parler d'un programme d'échange entre nos deux nations. C'est bien ça. Une famille américaine typique est en fait invitée à vivre au Québec pendant un an. Et nous envoyons une famille québécoise typique un an aux États-Unis. Si le programme est un succès, d'autres familles suivront. Par l'immersion réciproque dans chacune des deux cultures et l'exploration des différents modes de vie, elles pourront s'enrichir beaucoup intellectuellement. Tout en développant une meilleure compréhension entre nos deux nations. Et si le programme a le succès qu'on souhaite, peut-être qu'un jour nous vivrons dans un monde de pères. Où nous serons tous frères. Et où règnera l'amour. Que Dieu exauce vos prières. Le choix des Johnson comme famille, ça me paraît vraiment excellent. Et j'ai toute confiance qu'il vous sera assez facile, William, dans cette merveilleuse petite communauté qui est la vôtre, de trouver une famille à la hauteur. Alors cet échange serait pour un an? Eh bien, pour le moment, oui, mais tel que discuté, si les choses se passaient bien, le séjour pourrait se prolonger. Peut-être pour toujours. Les Américains sont un peuple très accueillant. Où chacun a droit à son style de vie. Son style de vie, hein? Eh bien... je crois que nous avons la famille parfaite pour vous. Hé, hey, il serait temps d'arrêter de vous pogner le cul, bande d'hostiles. Taxi va arriver, ce sera pas long. Pourquoi t'amènes toute cette barde-là? Tu devrais ménager tes forces, mon Henri. Tu vas en avoir besoin avec toutes les petites mères. Quelles petites mères? Aux États, bien sûr. Ça va être tout un party. Il y a trois filles pour un gars là-bas, à ce qu'il paraît. Ils s'en vont. C'est pas trop tôt. Oh, au fond, ils vont peut-être nous manquer. Au fond, tu sais, ils étaient pas si mal que ça. Pas si mal que ça? Des animaux pareils. Depuis un an, ils ont pas cessé de nous terroriser. Une bande de sauvages qui courent dans le jardin tout nu. Et la mère, quant à elle, devrait bien être féroce. Qui mange de la nourriture pour chier. On peut remercier le ciel d'être encore en vie. Ils n'ont pas les mêmes habitudes, c'est tout. C'est une honte que le conseil municipal leur ait permis de vivre ici. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Hey, vous amenez papa? C'est une joke. Toi, mon étrange, tu pourrais pas faire attention! Puis toi, ferme-la ou bien tu vas égoutter, vieux mot! Je... et leur nom, c'est comment déjà? La Vigueur. La Vigueur. La Vigueur. C'est un nom de famille, ça? Oui, typiquement québécois. Ah. Le maire serait satisfait, hein? Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est qu'il nous a encore demandé ce matin... de mettre dans ce projet toute la vigueur possible. Mais la vigueur, est-ce que je devrais en conclure qu'il s'agit de cette famille qui n'a pas cessé de faire parler d'elle depuis un an, William? Eh bien, oui, c'est elle qu'il s'agit. Ah, Charles, vous voilà, enfin. Désolé, je suis en retard. Je vous prie de m'excuser. Voici notre agent du département des affaires sociales. Il s'occupera de cette affaire. Ah. Il connaît très bien la famille. Enchanté. Je suis un peu en retard, je vous prie de m'excuser. Non. J'ai eu une crevaison. Ah, oui. Ainsi, vous connaissez cette famille? Cette famille? Mais quelle famille? Charles, j'ai une petite surprise pour vous. Oh. Es-tu prêt? Es-tu correct? Es-tu tout pacté? Ouais, il nous manque plus rien que le taxi. Je suis prêt à m'en aller rester aux États pour un an, pas toi? Ah, je suis pas sûre, Johnny. Je commençais à aimer ça par ici. Ouais, mais il vient le temps où il faut élargir un peu ses horizons. Ouais. Encore des hosties de santé. Mais c'est des gars de la TV. Non, Christ, la TV. Madame la Vigueur? Ouais, c'est moi. Qu'est-ce que tu me veux? Perrault, du bulletin de nouvelles. On voudrait faire une petite entrevue avec vous. Une petite entrevue? Pourquoi ça? Ça paye-tu bien cher? Non, d'habitude, les on entrevues... On veut 200$. 200$, c'est... Ouais, tu nous donnes deux beaux bruns ou bien ton entrevue, tu te la fous dans le cul. Ouais.
crois que... Oui, ça y est, c'est bien ça. Voici une photo de toute la famille. Et prise l'automne dernier. Ils sont très bien, non? Eh bien, ils ont l'air, disons... Différents. Ici, c'est la maman. Une femme vraiment charmante. Et ça, c'est le fils aîné, Johnny. Il a l'air plutôt rebelle. Ah ben, il a un certain problème. Mais rien de sérieux. Vous savez comment sont les garçons. Je serais très fier de l'avoir comme fils. Et regardez cette jeune fille. Une vraie beauté. Ah oui, ça, il faut dire. Mais leurs vêtements ont l'air si... Dépnaillés et malpropres. Eh ben, c'est parce que... C'était pour le party d'Halloween. Ils s'étaient déguisés en famille de mendiants très pauvres. Ah. Ils ont été le succès de la soirée. N'est-ce pas, Charles? Oui, ils ont... Je vous assure que c'est la famille idéale pour vous. C'est avec regret qu'on les laisse partir, n'est-ce pas? Oui, ils sont très attachants. C'est réellement une famille unique. Nous devons discuter d'un autre problème, William. Il nous faut maintenant rebâtir cette maison parce qu'un fonctionnaire incompétent... Sur ce point, je dois protester énergiquement. Ce n'est pas du tout de ma faute, si... Oh, mais... Allons, Charles. Si un mari jaloux a décidé de l'attaquer à coups de char d'assaut, et je ne me laisserai pas traiter d'incompétent. Est-ce qu'il y a un problème ou... Non, non, pas du tout. C'est juste une question de régie interne. Nous devons mettre cela au clair, simplement. Nous remarquons que la famille est sans père. Est-ce que... Eh bien, rien au monde n'est parfait. Ça a été une décision difficile? Ben, pour commencer, j'étais pas sûr. Mais après, ils nous ont dit qu'ils rebâtiraient la maison pendant qu'on serait partis. Puis c'est ça qui nous a décidé. Depuis bientôt 6 mois, vous et votre famille avez été au centre d'une bataille politique dans la municipalité. 2 conseillers ont été forcés de démissionner et le conseil est maintenant divisé en 2 camps. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On n'a rien à voir là-dedans, nous autres. On est du bon monde. Et votre départ pour les États-Unis? Hey, enlève-toi de là! Veux-tu bien t'ôter, Henri Pleu, laisser faire le job? Bon, continuons. Et combien de temps allez-vous demeurer aux États-Unis? 1 an qu'ils pensent nous laisser, mais moi, je resterai pas là si j'aime pas ça. J'ai entendu dire qu'il y avait bien de la pauvreté aux États. Mais vous serez bien heureuse d'abandonner ces débris, j'imagine, hein? Mais de quoi tu parles, de débris? Je suis persuadé que vous approuverez entièrement notre choix. Et en mon nom et au nom de tous les collaborateurs à ce programme, je tiens à vous remercier de votre visite et bon voyage de retour. Et merci pour tout. Ce fut un plaisir. Enchanté de vous avoir rencontré. Et si jamais ça tournait mal, je ne voudrais pas être dans vos souliers, William. Oh, voyons, ma, c'est rien que pour 1 an. Mais ça fait quelque chose en dedans. Ouais. Je me demande si c'est bien sage de laisser partir les navigateurs. Je suis pas certain que les États-Unis soient prêts à... Ce qui compte, c'est qu'ils s'en aillent. Mais s'il arrivait quelque chose, nous sommes responsables. Tout le programme d'échange pourrait être compromis. Il n'arrivera rien. Ce sera à vous d'y voir. Parce que vous partez avec eux. Pardon? Hein? Oui, vous. Vu que vous les aimez tellement, vous pourrez rester toute l'année avec eux. Alors, Madame Navigueur, on est prête pour le grand saut, là? Quel grand saut? Ben, au-dessus de la frontière, bien sûr. Oui, on y va plus en avion. En avion? Ben oui, bien sûr. Arrête de me pousser, tabarnak, à côté du chemin. Chère Madame Navigueur, le grand saut, c'était une façon de parler. Vous autres, mes deux sacrements, voulez-vous bien arrêter ça puis aller faire tes affaires dans le taxi? Hey, Charlie, ma crotte, comment ça va? Ah, Johnny, ça va, toi? Ça roule, mon Charlie, ça roule. Y a pas à dire, c'est une belle petite vacance que tu nous as eue, là. Écoute, Johnny... J'aimerais que tu essayes de t'arranger pour que tout se passe comme il faut, hein? Pour qu'il n'y ait pas de problème. Voyons donc, Charlie, on est-tu le genre à causer des problèmes, hein? Ah, t'as pas à t'énerver. As-tu vu le temps d'affaires? Jamais on pourrait plus t'embarquer ici. Moi, je sac mon camp. Voyons donc, est-ce qu'il s'en va? J'ai l'impression que vous allez être obligé d'appeler un camion, étant donné que... Mais pourquoi? Avec les 2 taxis, il y avait de la place. En se tassant dans le sien, ça va aller. On sauve quelques piastres. J'ai bien peur que ce soit contre le règlement. Écoutez, ça, je voudrais bien vous prendre tout à bord, mais autant de personnes puis tout le bagage que vous avez... Ben, on va être en retard. Avec ça, on risque de rater notre avion. Ça.
semaine prochaine. Passe pas avec moi puis les visas si jamais on vous le demande, OK? C'est beau ça, Charlie. Excusez-moi, madame. Qu'est-ce que tu veux? Non, j'ai pas de fumer, moi, t'as rangé ça, moi. OK, ça va. Ça sent déjà américain pur laine. Hey, grouillez-vous, les enfants, dépêchez-vous à débarquer. Regarde, faut pas faire attendre le pilote. Un porteur, messieurs? Non, incapable de faire ça tout seul, de l'église. Oh. Oh. Ce sont tous vos bagages? Pourquoi? C'est pas assez. Vous dépassez votre limite de poids. C'est des affaires, combien je pèse? Pas 2000. En ticket de parking pas payé. Charlie! Il faut toujours qu'il s'en prenne à lui pour rien. Il faut que je vous fouille. C'est pas permis? Un instant, monsieur. Non, attendez. Le vol à destination de New York, embarquement immédiat à la porte numéro 16. Excusez-moi, je dois vous fouiller. C'est défendu, ça. Une arme? Non, mais tu peux toujours me fouiller si tu veux. Et ça, c'est la maison. Si tu es dans un coin qui a de l'allure, on va quand même pas aller rester n'importe où. Ah, mais vous avez pas à vous inquiéter, hein? C'est huppé comme quartier et... Huppé, c'est quoi? Huppé, ça veut dire de haute classe. Et l'école pour les enfants a une excellente réputation. Tire ça à corde pour voir. Ça va être le fun. Hey, vous autres, mes deux hosties! Désolée, madame, les cigares sont interdits dans l'avion. Tu peux me dire de quoi tu te mêles, toi? Les autres passagers se sont plaints de la fumée. Et ça dérange tant ça qu'ils rouvrent dans un châssis. Puis apporte-nous quelque chose à boire, j'ai le gosier à sec. How are you today? Can you bring us to the hotel? Thank you very much. Have a nice day. What's the time? Ce serait mieux de changer tes batteries, le temps. Regarde ça. Hein? Tes batteries sont finies. Ton tape joue pas assez vite, épais. Tu penses, toi? Moi, je trouvais ça correct, moi. Quel tarlet. Il faut passer un an en vacances avec ça. Ah! Hey, fuck off!
Hey, c'est pas une façon de parler, ça. Ben, à manquer de m'ébouillanter les doigts. S'il vous plaît, excusez mon frère, il y a eu une enfance malheureuse. Ah, merci. On est pas mal tassé, hein? Il me semble qu'ils pourraient faire les avions un peu plus grands, bâtard. Ouais. Bon appétit. Merci. Bon appétito. Voici votre apéritif, madame. Merci. Le problème, c'est que je crains que le prix du pétrole continue de diminuer. Là, tu pars. Ça, c'est plus mon style. Fuck l'autre côté. Un whisky? Qu'est-ce que ça veut dire, au juste? Vous avez des billets de première classe? Ma mère, elle étouffe dans Carling, puis ici, il y avait des places de libre. C'est bien simple. On a décidé qu'on se rendrait aux États en classe UP. Je m'excuse, mais je dois vous demander de regagner vos sièges. Écoute, si tu veux faire du trouble, moi, j'ouvre le châssis puis je te fais rafraîchir un peu, OK, compris? Ça fait que des crises d'ici. Pas de problème. Je vous prie de m'excuser. Hein? Ils sont en train de manger. Vous êtes pas supposé gouverner? Non, mademoiselle, nous sommes sur le pilote automatique. Hey, regarde-moi dans les beaux nuages. Oui, pour être beau, ils le sont. Un peu de fromage, monsieur? Oui, merci. Brie ou camembert? Qu'est-ce qu'ils sont, Henri et Henriette? Ils sont partis ensemble aux toilettes, qu'est-ce que tu penses? Ils sont-tu obligés de faire ça partout, même dans les avions? Ah, c'est l'altitude qui les excite, faut croire. On va aller chercher. Puis ramène-moi donc quelque chose à boire. L'altitude, moi, ça me donne soif. Et ça, c'est l'altimètre. Ça nous dit à quelle altitude on est. Ça doit pas être facile de contrôler toutes ces machines-là. Mm. Et nous passons en conduite manuelle à présent, avec le manche à balai. Ça a l'air le fun. Je peux-tu toucher à votre manche? Non, malheureusement, pas en cours de route. Hey, Harry! Ça, c'est le sapin. Ça me rappelle les vols avec National. Léa 643, vous pouvez atterrir, tout s'est bien passé. Comme d'habitude, merci. Puis, Madame Lavigueur, quel effet ça fait? Vous trouvez enfin à New York? Y a rien là. Jusqu'à cette heure, moi, arrête de dire, ça m'a l'air pas mal comme ben, par là ou pas, on peut pas vraiment juger. Mais attendez de voir, Manhattan. On a toute la journée demain pour visiter. Nancy, d'arrêter! Avez-vous fini, mes deux enfants de chienne? Si je me fâche, j'allais empoigner une calice. Et la petite hôtesse, j'aurais pas fait mal. Ouais, puis à part de ça, qu'est-ce qu'il y a de neuf? Je vais essayer que trop. Oh, regardez où ce que vous allez, Ciboire. Ben oui, je suppose que c'est de ma faute. Quoi qui parle? Je ne sais pas, Henriette, pour moi, ils viennent de Brooklyn. Belle gang de trucs. Bon, maintenant, attendez-moi tout le monde ici, hein? Je vais aller essayer de trouver une voiture. Trouve-nous quelque chose avec la classe, au moins. Ouais, pendant que t'es là, essaye donc de nous trouver une limo. Allez, je vais voir ce que je peux faire, Johnny. Une limo, moi et tout. J'ai une soif terrible. Une limousine, et ben, un char.
Allô, la centrale, ici Jack. Qu'est-ce qui se passe avec la délégation russe? Attends un peu, c'est peut-être un groupe de 6, non? Oui, pour la convention médicale. Ils sont aux arrivées internationales, à la porte C. Ok, je vous remercie. J'ai ouvert la mienne. Ça, c'est un beau pays. Je commence déjà à me sentir chez nous, moi. Comment est-ce que t'as? C'est pas si bon que ça fait. Montre-moi, Carlis. Regarde donc ça. Bouteille de vodka. Vodka. Où c'est que t'as pogné ça? Henri l'a piqué. C'est quoi ça? Ben, du caviar, je pense. Allez, donne-moi ça. Ça pue le poisson pourri. Ça veut rien dire. Il y a des chances que ça goûte encore pire. Tiens, si tu veux pratiquer ton russe, là. Hey, check ça, Johnny. Miss Russie. Es-tu sûr qu'on est débarqué dans le bon pays? Tiens, ils sont là. Regarde, Charlie, il a vraiment pas perdu son temps. Allez, perestroïka, glasnost, je vais vous conduire à votre hôtel. Wow, tu parles d'un char. Une belle limo, hein, Johnny? Très bien. Charlie, on n'est pas obligé d'y dire deux fois. Il sait qu'on se torche pas avec n'importe quoi. C'est tout votre bagage? Ouais, tout ça, là. OK, Esther, allons-y, allons-y. Wow, tu parles d'un beau char. C'est la dernière? Ouais, c'est tout. Pourquoi est-ce qu'ils font jamais ce que je leur demande? Oh, excusez-moi, monsieur. Vous êtes bien de la Fondation Roosevelt? Non. Non, pas du tout. Oh. Et pourtant, pas de base, ce coin-ci. Hey, Lorraine, c'est un gars, c'est-tu cute? On devrait se changer de l'argent. Il faut que je voie comment est-ce qu'il échange. Ouais, espérons que ça a grimpé. Ben, je dois dire que notre petite excursion jusqu'ici, t'as pas l'air de vouloir se dérouler trop mal, hein, vous autres? C'est froid en Russie, ce temps-ci de l'année. Ah oui, frette, bien frette à ce qui paraît. Probablement de la neige. C'est quoi, cette affaire de Russie? Oh, je sais pas, peut-être qu'il y a de la famille là-bas. Je me demande où est-ce qu'il est Charlie. Ah, oh, inquiète-toi pas pour Charlie. Comme je le connais, il doit être en chemin déjà avec sa limo. Comment vous dites qu'il s'appelle? Lavigueur. L-A-V-I-G-U-E-U-R. Très bien, monsieur. Je vais les appeler au micro. Ah, merci. Et bonne journée, monsieur. Votre attention, s'il vous plaît. La famille Lavigueur, veuillez de se présenter au comptoir des renseignements. Je répète. Monsieur, c'est mon camion. Ah oui? C'est interdit de stationner ici. Mais je viens d'arriver. Je viens de Montréal. Ah, vous êtes en visite. Bienvenue à New York. Mais je viens tout juste de perdre ma famille. Mes condoléances, monsieur. OK, vous pouvez l'emmener. Et bonne journée, monsieur. Mais...
crème par ici. Hey, un McDo! Les autres aussi, ils ont des McDo, non? Voilà. Ça vous irait de sortir avec moi ce soir? Disons une visite guidée de la ville et un souper à deux. Un souper à deux? Non, non, merci. Hey, check les beaux bébés qui se promènent par ici. Ouais, c'est ça que je t'avais dit, il y a un surplus de femmes aux États-Unis. Toi, maman, qu'est-ce que t'en dis? Ça a l'air mieux que ça à la TV. T'as plus hôtel Rodoleux, moi. J'espère au moins que les chambres sont correctes. Oh, voyons, maman, c'est rien que pour une nuit. Ouais. Hey, ça, c'est un hôtel. Tu en as pour vrai? Couchez! 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 Couchez, whisky. Whisky, slack! Eh, voyons, pauvre petite bête, il doit mourir de faim depuis le temps. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Et ça, j'ai bien peur que ce soit nos invités russes. Bonjour, je m'appelle Hamilton. Je suis le gérant de l'hôtel. Et c'est un plaisir de vous accueillir. Vous avez fait bon voyage? Oh, c'était bien correct, ouais. Eh bien, nous allons faire tout en notre pouvoir pour rendre votre séjour agréable. D'habitude, les chiens ne sont pas tolérés dans l'hôtel. Mais pour vous, bien sûr, nous ferons une exception. Je suppose que vous voulez prendre un bain ou peut-être une douche? Le roux va vous conduire aux trois suites communicantes que j'ai retenues pour vous. Et bien sûr, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à le demander. Merci. Tu l'as, l'affaire. Ouais, toi, tu l'as, l'affaire. Ça m'impressionne pas, Léo. Il faut que j'appelle mes chums à passer bien. Oh, pire, c'est cet hôtel-là, hein, Johnny? Je sais qu'ils ont des problèmes chez eux, mais c'est ridicule. Dans quelle partie de la Russie est-ce qu'ils habitent? La partie agricole, je dirais. Allô? Oui, oui, passez-le-moi. Allô, Jack, c'est vous? Ici Charles. Allô, Charles. Ici Jack. Comment ça va? Désolé de n'avoir pu être à l'aéroport. Vous avez fait bon voyage? Ça s'est bien passé, mais... Bien, bien. Et comment est notre famille? J'ai peur qu'il y ait un problème. Ah, oui? Hein? Un problème? Eh bien, je suis persuadé que nous pourrons le régler. Mais ils ont disparu, j'arrive pas. Allons, mais comment ça, disparu? Disparu. J'étais loué un camion et ils ont disparu entre-temps, alors. Mais comment est-ce possible? Êtes-vous toujours à l'aéroport? Oui, j'appelle la police ou quoi? Non, on n'a pas besoin de la police. Non, je suis persuadé qu'il doit y avoir une explication à tout ceci. Eh bien, je l'espère, ils ont ma valise et toutes mes choses. Mais pourquoi ne venez-vous pas à mon bureau et nous verrons quelles mesures prendre, d'accord? D'accord. Je savais que cette famille nous en ferait voir. Pourquoi donc qu'ils font des aussi petites bouteilles? Ouais, ça, c'est le vrai. Pas barré. Vous avez commandé à déjeuner, madame? Commandé à déjeuner? Hey, y a un chariot avec du manger, y a-t-il quelqu'un qui a commandé? C'est pour nous autres!
Envoyez-nous-les! Tiens, toi et maintenant, on prie à garocher des affaires. Tiens, attrape ça! Fais ça, ah oui! Tiens, toi! Tiens, regarde courir, il y a peur! Es-tu drôle, lui? Avance un peu, on va pas te manger, nous autres. Avance! Ouais, pas capable, man! Allez, ah, du saumon fumé! Et bon appétit! Salut, petit Claude! Tu viens de te lever? Ça va! Comment ça, il est OK? Alors, il s'est aussi autour de midi? Ah, oh, nous autres, on se prépare à aller visiter. Oh, ouais, man, ça, je peux te le recommander fortement. New York est une ville au bout. T'en veux-tu? Le pape est-tu catholique? Hey, t'es-tu renseigné sur le taux de chanvre? Le dollar a grimpé de 2 cents hier. On va célébrer ça. Il n'y a pas un autre pays au monde qui a fait autant d'opportunités. Cheerio. Ah, tiens, Étienne. Je m'excuse, monsieur, mais je suis extrêmement pressé. Ça, c'est le cas de tout le monde ici à New York. Vous n'avez pas le numéro de la chambre? Non, et vous? Moi non plus. C'est très simple. Oui, on va demander à la réception. Bonjour. Excusez. Nous sommes de la Fondation Roosevelt. Nous venons voir la délégation russe qui loge à l'hôtel. Ah, mais c'est qu'ils viennent juste de sortir. De sortir? Mais... Nous avions pourtant rendez-vous avec eux. Est-ce qu'ils ont dit au moins quand ils rentreraient? Non, sur ce point, ils n'ont rien dit. J'avais des instructions à leur transmettre pour la réception. Oh, et moi, j'espérais avoir une avant-première du discours du docteur Sikorski. Enfin, il nous faudra attendre à ce soir. Oh. S'il vous plaît, remettez cette invitation à la délégation. Informez-les qu'une voiture viendra les prendre à 6h30 pour les amener à la réception. Avec joie. Et j'espère pour vous que la réception sera très réussie. Merci. Je vous en prie, monsieur. J'espère qu'ils ne se sont pas engagés ailleurs. Oh, il faut quand même qu'ils aient le temps de s'amuser un peu. Après tout, ces gens-là donnent tellement et ils reçoivent si peu en retour. Vous avez raison. Pareil comme chez nous. Ouais, juste un peu plus grand. C'est vraiment pas cher. Harry, pense pas, elle en veut juste à ton porte-monnaie. 50 piastres, c'est cher, Johnny? Pas mal pour une dose. Pensez-vous un peu en rond, maman. OK, grouillez peu. Le problème. Arrête tes smagrés, beau niaiseux, t'as l'air d'un papy. Toutes les rues ont des numéros. Ah, quand tu veux te retrouver, c'est plus facile. Tiens, Wall Street, on y va. Wall Street, ouais. C'est quoi ça? C'est là que sont les millions. Ah ouais, on y va. Hey, on y va. C'est définitivement la place pour toi, Henri. Quand t'auras quelques piastres, tu pourras t'acheter des parts. C'est quoi ça, des parts? Je te mettre riche avec ça si t'en as assez. Il faut les acheter quand ils sont basses puis les revendre quand ils mordent. Hein? C'est aussi simple que ça. Rappelle-toi qu'aux États-Unis, tout le monde peut être président. Que Dieu vous bénisse. Hey, Matt! Ben, il nous reste encore une chose à voir. Puis ça serait quoi, d'après toi, mon garçon? La Statue de la Liberté. La Statue de la Liberté, c'est quoi ça? Ben, le symbole de l'Amérique. T'as pas étudié ça à l'école, la grande femme qui tient le top? Moi, j'aime ça, les statues. On va aller voir s'ils savent comment faire ça par ici.
belles façons, je te chante des belles chansons. C'est une chanson par chez nous. Prends un verre de bière, mon minou. Je vois, oui. Quel goût. La journée a bien été. Ben, on a visité la Statue de la Liberté, puis après ça, original. Voici vos clés. Et voici votre invitation à la réception de ce soir. Comment ça? Une limousine passera vous prendre à 6h30. Un limo? 6h30. Merci. Je vous en prie. Ah, merci. Puis, bonne soirée. Qu'est-ce que c'est ça, Johnny? Une invitation, Charlie a dû nous organiser un party, nous faire une surprise, quelque chose. Un party? Ouais, ça a l'air fancy. Quand? En soir? Ah, ils vont venir nous chercher dans une heure, à peu près. Maudit Charlie, une surprise à temps pas d'eau. C'est fermé, monsieur. Mais j'ai rendez-vous. Désolé, monsieur, il est passé 5h, il n'y a plus personne dans l'immeuble. Mais j'ai été retenu dans le trafic. Ça, c'est très malheureux, il va falloir revenir demain matin. Et bonne soirée, monsieur. C'est quel genre de party, tu penses? Je ne sais pas, mais si ça swing pas, je sac mon camp. En autant qu'ils auront quelque chose à boire, le petit mot du frigidaire dans la chambre, il pourrait le remplir plus qu'une fois par jour. Ouais. Une pizza, moi, c'est ça que j'en ai, avec une grosse poutine. Bien sûr que Charlie s'en est occupé, il sait ce qu'on aime, lui. Je suis complet, je regrette. Mais j'ai fait des réservations pour 7 personnes de Montréal. Les réservations devaient être confirmées avant 6 heures. Mais c'est que... Je ne vais pas coucher dehors. Il faut que je me trouve une chambre. Eh bien, je m'excuse ici, nous n'avons aucune chambre de disponible. Je peux peut-être vous faire une suggestion. Hey, c'est dans le chic rare, Emma. Voilà notre invitation. Ah oui, venez-vous-en. Merci, j'aurais dû vous voir. Merci. J'ai tellement hâte de rencontrer ce docteur. Ah, oh, Stanley, heureux de vous voir et d'avoir pu accepter votre invitation. Heureux que vous soyez là, c'est toujours un plaisir. Comment est votre père? Oh, il va très bien, toujours très occupé, vous savez comment c'est. Oui, ça, j'imagine. Si vous voulez m'excuser, Stanley. On l'a invité, ce petit morveux? Non, pas que je sache, monsieur, mais il s'invite toujours sans qu'on ait à le faire. C'est le grand. Il n'y a pas personne qui sent des pieds vers ici. Ah, nos invités qui arrivent. Grâce au ciel, vous parlez russe. Bonsoir, madame. Nous sommes très honorés de vous avoir parmi nous. Allez, parlez, souhaitez-leur la bienvenue. Dobry vecher, docteur Sikorski. Mi ashim parchen, vashim visitum. Qu'est-ce qui paraît gouin, ce grand fufusio? J'ai rien compris, pas un crisse de mot. Monsieur, c'est un dialecte qui m'est complètement inconnu. De quelle partie de Russie sont-ils? Mais qu'est-ce que j'en sais? Des républiques baltes, peut-être. Enfin, vous parlez le russe, oui ou non? Oui, bien sûr. De toute façon, et comme je disais, c'est vraiment un très très grand honneur de vous avoir ici ce soir. Et nous espérons que votre séjour chez nous sera très heureux. On compte là-dessus, chef. Et bonne soirée, hein? Vous voyez ce que vous avez fait? Ils sont sûrement offusqués. Qui sont ces gens? Où? Ce groupe de personnes là-bas. Ce sont probablement les Russes. Quels Russes? Les Russes qui sont les invités d'honneur ce soir. Je ne suis pas l'invité d'honneur. Ah non, je regrette pas ce soir.
C'est réellement une beauté. Vous ne trouvez pas, Edwards? Elle possède, comment dire, beaucoup de personnalité. Oui, si on veut appeler ça comme ça. Mm-hmm. Ce sont tous d'éminents docteurs. Oui, oui. Ici par la Fondation Roosevelt. Une fondation dont votre père a été l'un des fondateurs, n'oubliez pas. Oui, possible, possible. Mais quoi qu'il en soit, je donnerai avec joie mes organes à un docteur de ce genre. Vous pensez à un organe précis? Bonsoir. Ah, nous sommes de la Fondation Roosevelt. Oui. Vous n'allez pas nous collecter de l'argent? Nous sommes votre contact avec l'organisation. Donne-leur pas d'argent, Johnny. C'est probablement des amis de Charlie. Et parlant de lui, où est-ce qu'il est, Charles? Charles? Ouais. Oh, ils veulent sûrement parler de Charles Scott qui milite pour le lobby pro-vie. Ah, c'est sûrement ça, j'imagine. Charles, oui. Il devrait arriver d'une minute à l'autre. Ah, oui, oui, on va l'attendre. Allô? Honey, do you have a light? Allô? Ici Charles. Charles. Charles? Mais vous savez quelle heure il est, mon vieux? C'est que j'ai un petit problème ici. Un problème? Mais de quoi voulez-vous parler? Pardon? Ils ont disparu. Mais j'ai toujours dit que ces lavigueurs-là, on pouvait pas s'y fier, alors j'avais raison. Hein? Mais peut-être qu'il s'est passé quelque chose de terrible. Peut-être qu'ils ont été kidnappés. Ce serait vraiment terrible pour les kidnappeurs. Comment? Qu'est-ce que vous avez dit au juste, le répéter? J'ai dit que ce serait réellement terrible. Je voudrais pas causer de panique, mais d'un autre côté, il vaudrait mieux se préparer au pire. Oui, je comprends, Charles. Vous avez tout à fait raison. Je vais m'occuper de ça tout de suite. Je vais informer l'ambassade, les affaires extérieures, et même si nécessaire, je me rendrai à New York en personne. Ne vous inquiétez pas. Et merci de votre compréhension. Je ferai tout ce qu'il faut de mon côté pour arriver à régler cette affaire-là, sans jamais ternir la confiance que vous avez placée en moi. Ça, c'est bien parlé. Bonne chance, Charles. L'ambassade? Les affaires extérieures? C'est quoi, tout ça? C'est rien. Rien d'important. Charles a juste perdu ses bagages. On est supposé manger ça? Ça a l'air drôle. Ma contre-calée, je meurs de faim. Ils ont pas de poutine ou d'affaires de même? Vous aimez la cuisine japonaise? Japonaise? Le sushi, vous aimez? Je sais pas. Puis-je me présenter? Je m'appelle Geoffrey. Et votre nom? Moi, je m'appelle Henriette. Henriette? Oui. Oh, Henriette, Henriette, c'est un beau, très beau nom russe. Et puis-je vous dire que vous êtes aussi jolie que votre nom? Et demain, nous avons un emploi du temps chargé. Tout d'abord, le petit déjeuner à l'Institut Blackwell. Ensuite, conférence de presse au Hyatt. Oh, et vous et le docteur Zygorski déjeuner avec le docteur Patriot, le président de l'Association médicale américaine. Et ensuite, dans l'après-midi, nous allons à la... Bizarre. Vous aimez New York? Une ville très excitante. Si vous me permettez, je serais très heureux de vous la faire visiter. À commencer par la vue du balcon. Nous avons lu vos articles, docteur Brezhnev. Brezhnev? Je suis le docteur White de l'Université de New York. Linda Black, je travaille avec le docteur Brown. C'est bon, maudit, ça. J'imagine, avec toutes les restrictions dans votre pays. On nous a dit que votre hôpital à Saint-Pétersbourg connaissait une grave pénurie d'instruments chirurgicaux de base. Saint-Pétersbourg, quoi? Et que pourtant, vous aviez réussi à effectuer une transplantation cardiaque au milieu d'une panne de courant. Et quel instrument avez-vous utilisé? Un instrument? Et vous savez... Pour les incisions, pour tailler la chair. Non, j'ai pris ça ici. Maudit bon couteau. Ils ont l'air bien jeunes pour être chirurgiens. Ils sont plus vieux qu'ils en ont l'air. Probablement quelque chose dans l'air en Russie. Tu sais, ils ont là-bas beaucoup de gens qui sont âgés de 120 ans et qui ont l'air de 60 et quelques. Ça, c'est sûrement le docteur Zygorski. Oh, le fameux chirurgien plastique. Le docteur de Palma affirme qu'il accomplit de vrais miracles. Allons essayer de lui parler. D'accord. Salut. Salut. Mon ami est en train de me dire que vous êtes très célèbre dans votre pays. Ouais? Ne soyez pas si modeste. Vous êtes le meilleur.
en particulier avec les femmes. Non, oui, oui. Oui, ça doit être vrai, j'ai jamais eu de plainte. Eh bien, peut-être que nous pourrions nous voir, vous et moi. Oui, bien sûr. Oui. J'ai un petit problème avec mes seins. Oh. Ah oui, qu'est-ce qu'ils ont qui vont pas? Ils sont trop petits. Ah, ben, moi, ça me dérange pas. Par temps clair, on peut voir d'ici la statue de la Liberté. Oh, vous frissonnez. Tenez, prenez ma veste. Merci. Vous savez, c'est étrange, mais vous n'avez pas l'air russe. Vous êtes né en Russie? Non, je suis né au monde, au Saguenay. Oh, le Saguenay, oui. Le Saguenay, c'est en Ukraine, non? Non, c'est au Québec, dans le Nord. Vous êtes vraiment spécial, Henriette, vous le saviez. Avez-vous déjà rencontré une personne et dès le premier moment senti que vous vouliez passer le reste de votre vie avec elle? C'est ce qui m'est arrivé ce soir. C'est qui cette personne-là? Puis-je vous embrasser, Henriette? M'embrasser? Non. Dites oui, Henriette. Non. Quand auriez-vous avoir le temps pour moi? C'est justement là que je lui ai dit. Excusez-moi une seconde. Merci. Oh! Il sait qui te veut, cet animal-là? Oh, bonsoir. Il t'a touché? Il voulait m'embrasser. Toi, le chanteur de pommes, je t'avertis, lâche ma sœur. Oh! Arrêtez, laissez-le tranquille. Vous êtes sûr? Oui. Hey, c'est quoi cette marde-là? C'est mon frère. Écoutez, heureux de vous rencontrer. Je m'appelle Geoffrey. Désolé pour mes fiers à bras. Je ne peux pas vous blâmer de veiller sur votre sœur, mais vous n'avez rien à craindre avec moi. Je sais traiter les jeunes filles comme il faut. Et je vois que votre sœur est une jeune fille. Très comme il faut. Ben, si jamais il va trop loin, t'as rien qu'à m'appeler. Ayant sac notre cœur du sud, j'en ai une maudite bande d'ennuis. Hein? Qu'est-ce qu'il fait, Charlie? Il devrait être là. Il est arrivé quelque chose, hein? Tu penses pas, maman? Quand tu, Charlie, pis ça tirait des trucs. Ah. Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Comme président de la grande fondation Roosevelt, j'ai le plaisir de vous accueillir ce soir pour honorer nos distingués invités russes. C'est pour moi un plaisir et un privilège de vous présenter à tous le docteur Vladimir Zhikovsky. Ah, il y en a des docteurs ici ce soir? S'il vous plaît. L'heure Zhikovsky est probablement en retard. Je vais lui remercier puis on s'en va. Merci. Toute la compagnie, nous voulons vous remercier de votre accueil. Et le reste de la famille se joint à moi et puis... nous espérons que nous aimerons notre nouvelle maison. Merci beaucoup. Amusez-vous, là. Quelle maison? Ils ont l'intention d'émigrer? Ce serait le bouquet, ça. Monsieur Kozlov, mon gynécologue a suggéré que j'essaie de vous consulter au cours de votre séjour. Qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, je voudrais avoir votre opinion en privé. C'est un sujet assez personnel, comme vous pouvez l'imaginer. C'est l'heure de s'en aller, là. Maman, elle se sent un petit peu fatiguée. Votre mère? Ouais, et les enfants aussi. On veut vous remercier, ça a été vraiment une belle surprise. Bye, là. Ta mère? Ses enfants? Il a amené toute sa famille? On vous demande au téléphone. Hein? Depuis des années, déjà, j'ai ce problème. Un problème? Oui, vous savez... Où ça? Aux organes. Ah ouais? On sac le camp. Ça, c'est clair à cette heure que c'est pas notre genre de party. Non. Henriette, dis bye-bye à ton chum. On s'en va. Vous partez déjà? Oui. Oh, mais j'aimerais vous connaître davantage. Vous serez longtemps au Plaza. Ah ouais, il a fait ça vite, Henriette. J'aimerais beaucoup vous revoir. Tenez, prenez ma carte. Vous pouvez m'appeler n'importe quand, jour et nuit. Merci. Watch-toi avec les Américains qui vont essayer d'entrer dans tes culottes à la première date. Oh, je suis assez grande pour me défendre, tu sauras. Ah! Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui se passe? On s'en va-tu, Johnny? Je pense que j'en ai assez vu. Qu'est-ce qu'ils ont tant à s'exciter tout d'un coup? Vous en êtes sûr? Oh, mais c'est terrible! Nos invités, ils viennent de partir. Des imposteurs!
Vous voulez dire que ce ne sont pas de vrais docteurs? Ils ne sont même pas russes. Mais qui sont-ils? Et où est la véritable délégation russe? N'ayez pas l'air si stupide. Nous avons une crise majeure sur les bras et vous restez là avec cet air d'abruti. Vous ne savez même pas parler russe. Je vous balance. Et accouchez à t'asseoir avant d'être la bienvenue. Ah oui, ça tu peux le dire. Les clés, s'il vous plaît. Je m'excuse, monsieur, mais il semble y avoir un petit problème. Comment ça? Je ne peux vous donner les clés. Non, comment ça? Vous n'êtes plus client de cet hôtel. Hey, c'est une blague ou quoi? C'est quoi le problème, Johnny? Ben, il veut pas nous donner les clés. C'est quoi cette histoire de bullshit-là? Comment est-ce qu'ils s'attendent à ce qu'on peut rentrer dans nos chambres sans les abords? Je ne sais pas qui vous êtes ni à quel jeu vous jouez, mais vous devriez me remercier de ne pas avoir appelé la police. J'ai demandé qu'on descende vos bagages et je vous demanderai à tous de quitter cet hôtel sans causer d'ennui. Mais il y a sûrement un malentendu quelque part. Je vous assure qu'il n'y a pas de malentendu. Et je vous suggère à vous et au reste de votre tribu de quitter l'hôtel immédiatement. Il veut nous sacrer dehors, ce style. Et tu verrais vous? Tu veux-tu que j'y sac une volée? Écrase, Henri, pas de violence, on est du monde correct, nous autres. Écoutez, chef, permettez-moi de vous remercier de votre hospitalité en mon nom, à moi, puis celui de toute la famille. Une bonne affaire, le fait. Envoyez les enfants, je commence à en avoir mon voyage, là, au hôtel. Si c'était pas du reste de ma famille, je démolirais la place. Puis oubliez-les pas, surtout, hein? On va à cette heure, moi je tiens plus de bout. On va geler le cul avec le temps qu'il fait. Vous bien, arrêtez de vous plaindre, vous autres les deux filles, là. Ferme ta gueule. Réveille-toi, Batman. Hein? Quoi? Quelle heure qui est? Il est 7 heures du matin, heure locale. Où est-ce qu'il me ment, hein? T'as bien dormi? Comme un ange, j'ai rien comme dormir à belle étoile. Qu'est-ce qu'on fait à cette heure? Je me sens comme un déchu de la société sans toi au-dessus de la tête. Confiance à Providence, mon garçon. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, est-ce qu'on dit? Ouais, mais ça se mange pas, l'espoir. On a-tu de l'argent, au moins? C'est Charlie qui l'a, c'est lui. Oh. Hey! Checkez ça! Le grand service. Ça va, mademoiselle? Ouais, ouais, merci. Est-ce que je peux vous aider? Non. Excuse-moi une minute, mais qu'est-ce que tu fais avec ma femme? Quoi, votre femme? Oh non, j'essayais de l'aider, elle a eu un étourdissement. Oh, tes grosses pattes de suelle, tu vis-tu, hein? Ouais, viens-t'en, chérie. Ben ça... Mais... Tu sais qui aurait dit qu'à notre deuxième jour à New York, on aurait de la coleslaw avec des hot dogs du déjeuner? Tu arrêtes pas encore? Pour toi et toujours. OK, la dernière saucisse. Mais qu'est-ce que t'as là, toi, là? La valise à Charlie. Commence à me demander si on va finir par le voir apparaître, lui. J'ai comme l'impression qu'il nous a perdus. C'est pas un mauvais gars, mais le problème, c'est qu'il faut le watcher tout le temps, notre chambre. Hey, Johnny, check-moi ça! Il n'a pas dû endormir de la nuit hier, lui. Tenez,
Merci, madame. Ça va mieux? Un peu, ouais. Bien. Quand vous n'êtes pas venu hier, on a pensé que peut-être vous les aviez trouvés. Non, c'était le trafic. Oui, la circulation à New York est impossible. Je suis plutôt inquiet. Allons donc. Et peut-être qu'on devrait alerter la police. Peut-être qu'ils ont eu un accident. Tous les six à la fois. Je sais plus ce que je dois faire. Écoutez, Charles, on est des amis. On est là pour aider. Vraiment, j'apprécie. Bien. Il faut qu'on réfléchisse à cette affaire avec beaucoup de prudence. Parfois, les choses ne sont pas aussi graves qu'elles semblent. La réponse peut surgir au moment où on s'y attend le moins. Dans des circonstances inattendues. C'est, mais... Alors... Allô? Oui, il est là. Pour moi. Allô? Hey, Charlie! Où est-ce que t'es? On commençait à s'inquiéter, nous autres. Tu nous as pas abandonnés quand même, hein? Johnny, où est-ce que t'es? Qu'est-ce qui s'est passé, donc? Est-ce que tout le monde est correct, là? Ah ouais, en forme. On a fait un peu de sightseeing en ville, puis là, ben, on prend une marche dans le parc. Je me mourrais d'inquiétude. Comment t'as trouvé le numéro? Il était dans ton calepin. Quand j'ai vu le code, je me suis dit, ça doit être sûrement à New York. Je vais passer vous chercher. Où est-ce que vous êtes, là? Au bord d'un parc. Central Park? Hein? Ah oui, Central Park, probablement, ou une cabine de téléphone. Restez où est-ce que vous êtes, ce sera pas bien long, hein? J'arrive, OK? Compris? Bougez pas. OK, Charlie, à tout de suite. Puis? Il s'en vient, il a dit de l'attendre. Hostie de niaise, il nous lâcher de même, sans dire un mot. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Il y a du monde comme ça qui ont pas de manière. Alors, tout le monde est bien? Oui. Vous voyez, on savait que tout finirait par s'arranger. Ouais, je vais les retrouver immédiatement. Viens. Merci pour tout, hein. Je suis tellement heureux que tout soit arrangé. Taxi! 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 S'il vous plaît, monsieur, pouvez-vous m'aider? Là, le gars, il a commencé à vendre des hot dogs, mais il était pas fou. Il a commencé à ôter un morceau au bout de chaque saucisse. Puis il a commencé à faire d'autres saucisses avec les bouts qui y ôtaient sur toutes les saucisses. Ça n'a pas été long que le gars, il est devenu millionnaire. Hey, fuck, ça, c'est intelligent. Moi aussi, je veux devenir riche. Ben, il va falloir que tu développes d'autres talents que celui de t'étendre sur le dos. Ouais, si t'as d'autres talents. Oh, je sais chanter. Chanter. Avec une voix de poitrine, j'imagine. T'as jamais entendu chanter de ta sainte vie. Puis toi, t'es tellement niaiseux. Toi, là, tu feras jamais rien dans la vie. Ah non? Regarde-moi bien, allez, toi. Hey, vous autres, on peut tous devenir riches, cette fuck. C'est le pays idéal pour des entrepreneurs comme nous autres. Monsieur, aidez-moi, s'il vous plaît. Je suis pris, là. Je te l'ai dit, je suis allé le voir. Aidez-moi. Aidez-moi à sortir de là. Hey, man, il n'y a personne aux alentours. Allons-y. Hey, j'ai sa montre. Allez, verrouille les souliers pendant que vous faites les poches. Qu'est-ce que vous faites? C'est les souliers. Arrêtez. Dépêche-toi. Non, écoutez. Buenas noches, s'il vous plaît. Rien là-dedans, Charlie a dit qu'il s'en venait. New York, c'est quand même pas si grand. Jésus, il s'est probablement encore écarté. On n'aurait jamais dû l'amener. C'est comme traîner un boulet puis une chaîne. Je veux
pas envie de coucher dans le parc encore à soir. Puis moi, j'ai bien hâte de la voir, notre maison. Il y a vraiment plus rien à boire dans nos provisions. Moi, je meurs de soif. On est totalement sec. C'est quoi, ça? C'est à Charlie, c'est de l'aftershave. Passe-moi donc ça. De 120, en tout cas. Attrapez-le, les gars. On va te voir, bon. Salaud. On dirait une bataille. Ils ont peut-être attaqué Charlie. Les gars. Allez, pitez-moi. Je prends la chance. On va bien voir. Mmh. Je te l'attaque. Tu vas nous payer. Ça te fondra un par son d'argent. Tiens. Hey, arrêtez. À trois contre un, c'est pas correct, ça. Qui c'est qui vous a invité? Vous vous prenez pour qui, vous autres? L'armée du salut, peut-être? Laisse cet homme-là tranquille. Où c'est que tu sors, toi? Je m'appelle Johnny, c'est ma famille, puis on est des Québécois. Ben, tu sais mieux de faire tes prières, Johnny. Du Québécois, il en restera pas gros tout à l'heure. C'est quoi, des Québécois? Des habitants de la Floride, tu connais rien à rien, quand même. Pique-le, le Roy. Oui, je vais le piquer, solide! Ah, ben, ça va pas. Allons-y, mais c'est moi qui te le dis, vont y goûter. Je vois plus où il y a. Fuck. Je te félicite, Ariette. Un petit peu d'exercice, c'est toujours bon pour la digestion. Comment est-ce qu'il est? Oh, ils l'ont pas mal magané. Il a pas l'air ben fort. Vous m'avez sauvé la vie. Comment je pourrais vous récompenser? Ben, on est un peu à court dans nos finances pour tout de suite, ça fait que... J'emporte jamais d'argent dans le parc. C'est beaucoup trop dangereux. Ah, ça va, je comprends. Vous êtes Québécois, vous aussi? Ouais. Ah, ouais, Québécois. Pourquoi vous vivez dans le parc? Ils nous ont jetés dehors au plaza. Au plaza? Vous avez au moins le sens de l'humour. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Laurent Robertval. Puis même si je pourrais jamais vous payer pour ce que vous avez fait, écoutez, laissez-moi au moins vous inviter à venir habiter chez moi. On devrait-tu, Johnny? Ils ont l'air d'être pas mal spécial par ici. Ça serait mieux que de rester là à attendre Charlie. Venez, on va prendre un petit verre. Un verre? Oui. Envoyez les enfants, pactez le sac. Qu'est-ce que tu fais sur le trottoir? T'as des problèmes? Eh, mais t'es puits, là. Tu peux plus bouger, est-ce que tu le savais? T'es plus dans la grille. S'il y a personne qui vient t'aider, tu peux rester là toute la nuit. Ou une semaine. Ou l'année complète, ou peut-être mourir là sur le trottoir. Aidez-moi. Tu fais. T'as vraiment un sérieux problème. Ah, s'il vous plaît, monsieur, sortez-moi de là. Je sais ce que je vais faire, tu fais. Je vais te sortir de là. C'est ce que je vais faire. Allez, tiens bon. Tu as plus fait mal. Merci beaucoup. T'étais vraiment petit, frère. Ça va, t'es sûr que t'allais malade? Eh non, ça va aller. Il faut que j'y aille. Ils m'attendent. Tu vas venir avec moi? Non. Tu peux pas rester là, t'es l'air malade. Mes amis m'appellent Bill. Je vais trouver quelque chose à manger. Viens. Tu fais ça, tu te fais m'enfuir. Non, c'est ça, le moulin rouge. Hey, y a-tu de la pitoune? N'arrives-tu, là? Moi, j'ai mal aux pieds. Arrête donc, chiot. Ça
C'est moi, Laurent. Ouvre la porte. Monsieur Oberval, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais attaqué dans le parc. Mais mes amis ici sont venus à mon secours. Occupe-toi de leurs affaires, OK? Ouais. On va-tu prendre des coups ici? Tu pensais qu'il était cassé, le bonhomme, moi? Peut-être qu'il y a du crédit. Suivez-moi. Voyez-vous, mes amis. Qu'est-ce que vous allez prendre? Ben, de la bière pour tout le monde, puis un scotch pour moi. Rien de plus fort? Peut-être plus tard. Ça va, t'as compris? Hein? Oui, comme d'habitude, hein? Oui, monsieur Oberval. Ben, ça, c'est une pièce à mon goût, ici. Ah oui, j'aime ça. Vous venez souvent ici, vous? On peut dire, ouais. Oui, c'est moi le boss du club. Hey, c'est lui qui est le boss. Ben, parle-moi de ça. Un gars qui a réussi dans la vie, toi. Ça, c'est ma femme. Moi? Pas mal cute. Puis comme ça, vous vous en venez vivre aux États? Pour un an, oui, on devrait rentrer dans notre nouvelle maison, ben, peut-être demain. Si jamais vous trouvez votre. C'est ça, en plein ça. Hey, j'aimerais proposer un toast. À tout le bonheur qui vous attend dans notre merveilleux pays. On boit aux États-Unis. Aux États-Unis! Tu vois, Tiffin, je te l'avais dit que tu avais faim. Merci. Vraiment, j'apprécie beaucoup ça. Bon, nous, les pauvres, il faut bien qu'on s'entraide un peu. Il n'y a personne qui veut de nous. Je ne suis pas, disons, je ne suis pas. Un mendiant. Un dieu que l'on t'y fait, moi non plus. Nous sommes les pauvres victimes d'un système économique qui n'a pas de place pour nous. On n'est pas des mendiants. On est des honnêtes travailleurs de la rue. Non, et c'est pas le cas du tout. J'ai un emploi, moi. C'est tous ces prétendus travailleurs sociaux à l'assistance qui nous traitent comme ça. On était tous des rebuts. Ah, oui? Les déteste tous. Je les étranglais et puis je leur arracherai le cœur. Sauf qu'ils en ont pas de cœur. Ou ils nous traiteraient autrement que ça. C'est quoi ton emploi? Ben, je suis un pompier. Excellent! Il y a beaucoup d'incendies à New York. Du salaud, on peut plus manger tranquille. Alors, vous deux, qui a commencé tout ce chahut? Pourquoi est-ce qu'ils nous ont fait ça, hein? On n'a rien fait, nous autres. Pourquoi vous ne leur dites pas, vous? T'en fais pas, petit frère. Ils vont nous garder ici un ou deux jours, et puis ensuite, ils vont nous laisser partir. Un ou deux jours, mais... Un, deux, peut-être toi. Oh, au moins, il fait chaud ici. Hey, monsieur! Monsieur l'agent, monsieur! Je veux vous parler. Et laissez-moi sortir. J'ai rien à faire ici. Je suis pas américain, moi. Ah, oh, ça va, de ta gueule, hein? Fais chier! Ta gueule! Et on est dormi ici! La faute, pour fais chier! Ma femme, youhou, minou! Elle a un beau petit cul, tu trouves pas? Ouais, elle a des beaux tatons aussi. Hey! J'ai qu'à façon de parler, mon hostie! Je veux pas que tu parles comme ça de ma femme, tabarnak! Ok, man, ok. Non, relax, c'était une blague que je faisais, voyons. T'es mon chum, pas vrai? Les tous mes chums! Toi, frappe-toi! Hey! Bidou! Viens ici! À tout à l'heure. Je vais te la présenter. Ça, c'est ma femme Dorothée. J'ai su que tu t'étais fait battre encore. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont essayé de me voler, mais mes chers amis m'ont sauvé. J'ai dit toujours de pas s'aventurer dans le parc, mais une vraie mule. Ben oui, ça a tête dure, les bonhommes.
Eh bien, les amis de mon mari sont mes amis. Oh, ils sont québécois. Ah oui? Alors, vous êtes ici pour affaires ou plaisir? Nous autres, on est partout pour le plaisir. Ça, j'imagine. Check-y le décolleté. Mm. Tu sais que t'es une très jolie fille. As-tu déjà pensé à faire du show business? Du show business? Bien sûr qu'elle veut faire du show business, elle a le talent pour ça. De très beaux talents. Hey, t'aimes-tu la place, Jolly? Ouais, ouais, beaucoup d'atmosphère. Bien, vous êtes des gens, ce qui me plaisait vraiment beaucoup. Je vais vous faire une proposition. Écoutez-moi bien, il s'agit d'une offre que vous pouvez pas refuser, OK? Dans ce genre-là chez nous. C'est toi quand tu veux. Le char de la compagnie. C'est la compagnie qui paye. Merci, M. Robert Val. Appelle-moi donc Laurent. Laurent, ça, c'est dans mes goûts, Laurent. Oh, attends, oh oui. Ça va être... Ah, chouette. C'est quoi, cette affaire-là? Hein? Ah, ça, c'est un vieux réservoir. Mais à cette heure, ça sert plus. Peut-être qu'on pourrait le remplir de scotch pour moi. Madame la vigueur, à votre santé. À toi et tout. Je dois dire que vous puis votre famille, vous avez fait du beau travail. C'est comme si c'était neuf. Hein? Je commence à me sentir chez nous ici, moi. Qu'est-ce que je t'avais dit, petit frère? En 4 jours, ils nous ont libés. Qu'est-ce qu'on fait du rapport? T'avais 3. Café, on finira. Tu vas pas. T'as eu 3 repas par jour, un lit propre la nuit, ils t'ont même donné une paire de souliers et tu te plains. Ce que j'espère, c'est que t'as pas gâché mes séjours pour l'avenir. T'as tout fait pour les embêter. Tout le monde a le droit de téléphoner. Ouais, mais tu te rappelais même plus le numéro. Ouais, puis tout le monde a le droit à un avocat. Ton problème, c'est que tu regardes tôt la télévision, tu fais. Eh bien, où est-ce que tu vas? Au bureau d'immigration. Je t'ai dit de ne pas te fier aux gens du gouvernement. Allez, j'ai des amis. Allez, viens avec toi, pour être sûr que tu vas pas aller te prendre dans une autre nuit. Parlez-moi un peu de cette fille. Ah, oh, c'est réellement la plus belle femme que j'ai jamais vue. C'est insensé, je n'arrête pas d'y penser. Vous lui avez parlé? Oui, docteur, mais c'était difficile, elle vient du Saguenay. Le Saguenay, c'est où ça? Quelque part au Labrador, je crois. Je ne comprenais pas tout ce qu'elle disait, mais l'amour véritable transcende les mots, et c'est de l'amour que je ressentais ce soir-là, je vous l'assure. Votre père est au courant? Bien sûr que non, vous savez ce qu'il pense de tout ça. Mais vous êtes un homme maintenant, Jeffrey. Vous devez prendre des décisions par vous-même. Et personne n'est responsable de votre vie à part vous. Je lui ai donné ma carte, mais jusqu'ici, elle n'a pas appelé. Alors, il faut passer à l'action et la retrouver. Suivez votre cœur, écoutez votre instinct. Vous avez raison. Je vais suivre mon instinct. À la bonne heure.
Oh, vous voilà. Nous pourrons prendre le vol de 11 heures. Au Plaza. Le Plaza? Mais de quoi parlez-vous? On vous attend à Washington. Oh, diable, Washington. Je suis bien décidé à suivre mon instinct cette fois. Allez. Hey, t'en as du gaz ici pour 10 piastres? Le meter arrête pas de grimper. On a plus que 8 gallons, Johnny. Ouais, le gaz est cheap ici comparé à chez nous. Hey, on pourrait se mettre riche. Ouais, une fois retourné chez nous, et on viendra ici pour gazer. Si fait ton problème à toi, c'est que... Hey, mais où tu vas? C'est quoi? T'as un bombe qui s'est garoché sur un char. Trop pacté pour regarder. Ouais, faut que tu fasses attention à ces bombes-là ou bien tu te retrouves avec une poque sur ton char. Petit frère, mais qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? La vie est pas si mal. Mais comment ça, quitter? Nous avons dû mettre fin à leur séjour. Vous les avez mis dehors? Eh bien, si nous avions su que c'était des amis à vous, les choses auraient été différentes. Et où sont-ils? Je ne sais malheureusement pas, monsieur. Quels idiots, triples imbéciles! Comment pourrais-je la retrouver à présent? C'était l'amour de vous ma vie! Vous l'avez rencontrée qu'une que seule... Que savez-vous de l'amour, vous? Eh bien, je crois que... Laissez mon père hors de l'affaire. Cette petite affaire, je crois, ne plaira pas du tout à mon père. Ça, je peux vous l'assurer. S'il arrive malheur à cette fille, je vous en tiendrai, vous, personnellement, responsable. Allons-y. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Très bien, merci. Bien, Siri. Allons-y. Bon travail. Oui, ils ont tout redécouvert. Hey. Oh, c'est charmant. Entrez. Merci, je vous en prie. À l'intérieur aussi. Toi, tu fais bien attention avec les chars. Hein? Ils en ont besoin pour retourner à la maison. Bien sûr, pas de problème. Merci. Seulement, hein? Ça va bien, madame la vigueur? Ah oui, comme si de roulette. Espérons qu'il y aura du monde pour l'ouverture, hein? On n'a plus rien qu'à se croiser les doigts. Hey! Max! Contacte tes pubis! Tout le plaisir est pour moi. T'as pas amené Tony? Non, j'avais pas l'argent du cautionnement. Je vous donne une tape. Qu'il est mort? Non, il a eu de la chance. Juste de légères contusions. Quelques jours de repos, il sera remis. Ah, tu vois, toi, ça, tu fais. Je savais que tu mourrais pas. Je crois que vous devriez le laisser se reposer, monsieur. Vous savez ce que je devais faire? Le laisser se reposer. C'est ça. Oui, c'est ce que je vais faire. Le laisser se reposer. Je te verrai dans une couple de jours, tu fais. Vous êtes sûr que ça va aller? Ne vous inquiétez pas, dans quelques jours, il sera redevenu normal et complètement remis. Le patient pour le docteur de Palma, où est-il? Il vous attend à côté de l'ascenseur. Merci. Alors, mon vieux, tu viens avec moi. Les bouillardes sont-ils prêts? Ouais, presque. Bon, on va montrer aux Américains ce que c'est que la bonne cuisine.
Encore un autre? On pourrait pas le reporter à demain. C'est incroyable les horaires du docteur Di Palma. C'est un miracle qu'il se retrouve pas sur une civière mule. Et qu'est-ce qu'on a là? Ah, un monsieur Chris Jones du Texas. Ah, un seul là. Qu'est-ce qu'il a eu à la tête? J'en sais rien. Ah, ils sont plutôt extravagants, ces Texans. C'est probable qu'il a décidé de faire la noce avant l'opération. Enfin, préparez monsieur Jones. Comment vous appelez ça? Des boulettes de porc, c'est l'une de mes spécialités. C'est pas mal bon, ouais. Toi, t'es une jolie souris. Larry sait choisir son personnel. Pourquoi on va pas tous les deux en haut s'amuser un peu? Va donc passer un poignet de cave. Oh, c'est des durs à cuire, ma famille Burt. Tiens, mange une boulette de porc. Ah, c'est ça la surprise que tu nous promettais. On n'a pas toute la nuit. Ah, Badger. Je trouve pas que ça sent le gars. Allez, pince. Cotter, Cotter, vite. D'autres pinces. Cotter. Allez, dépêchez-vous. Pince. Je veux dire, tu l'as bien entraîné. Elle a vraiment un talent naturel. Ça devrait attirer les clients. Eh bien, ça y est, c'est réussi, je pense, non? Qu'en dites-vous? Oui, excellent travail, docteur Di Palma. Je le pense aussi. Qui est le suivant? Dernière pour ce soir, Madame Burns. Ah oui, l'implant de silicone. Je vais dire que c'est ma petite fille. Pour vos ténés. Très joli spectacle. Monsieur. Ton nouveau personnel est un gros atout, Laurent. Dis-le à tes chums. Bien sûr, bien sûr. Bonsoir. 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 Voilà pour vous. As-tu conduit aujourd'hui? On n'a presque plus d'essence. Mais de quoi tu veux parler, Vinny? Je ne suis pas allé nulle part aujourd'hui. Pourtant, j'ai fait faire le plein hier, c'est quand même étrange, non? Oh, c'est tout ce qu'il nous faut tomber en panne sèche sur l'autoroute en rentrant. Mon cher Johnny, on peut dire que l'ouverture a été un gros succès. Le Moulin Rouge va connaître encore une fois les belles heures du passé. Ça, je vous l'avais dit, non? Nous autres, les lavigueurs, on est des vrais porte-bonheur. Oh. Ils ont toutes sortes de belles affaires par ici, Johnny. Ouais, puis bien vite, on va pouvoir se payer tout ça. Avec ce club-là, on va se faire une fortune. Mais je veux pas passer ma vie à me déshabiller tous les soirs devant le monde. Non, bien sûr que non, mais il faut commencer quelque part. Ils ont jamais eu ça, une belle fille comme toi, dans la place. Puis il faut pas oublier qu'on est là dans le cadre des échanges culturels, hein? OK?
Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Eh, hey man, je pense qu'on le connaît, lui. Ouais, on s'est pas arrondi quelque part, non? Non. Allez, reste cool. Oui, bien sûr. Oui, je me rappelle où, dans le parc. Dis-moi donc, ta famille sait que tu te promènes tout seul dans le coin? Ben, écoute, tu sais... C'est qui, prend? Ah, c'est les trois gars du parc. Ils nous suivent, Johnny. D'après ce que je vois, on s'est pas fait comprendre clairement dans le parc. Mais on va pas recommencer à chicane. Hein? Non, faut que tu travailles à soir. Ils ont un gun! Qu'est-ce que t'attends de dire? Tout le manger! Arrêtez!
tarpou, espèce de con. Ah, c'est pas ma faute. Non, ouais. C'est ce qui s'appelle un crash de la bourse. Qu'est-ce que j'ai fait à cette heure? Aïe, pas le chien! Je pourrais-tu avoir mes cigarettes? Hey, tranquille, le punk, vous avez suffisamment de problèmes. Maudite bande de chiens sales! Gagne des cœurs! Tu les as fouillés? Oui, partout. La petite, surtout. Et ça, tu l'as trouvé où? Le grand blond l'avait sur lui. Pourquoi? En tout cas, j'espère que vous n'avez pas été trop violent. T'inquiète, la visite. Hé, hey, qu'est-ce qui se passe? Messieurs, dames, j'espère qu'on vous a pas causé trop d'ennuis. Est-ce qu'il y a un malentendu? On s'excuse. Ouais, ouais, oh, bien sûr, un malentendu. Votre voiture est dans le stationnement. On l'a lavé, elle était affreusement sale. Ils sont complètement capotés. Reste tranquille, Harry, dis pas un mot, c'est juste la manière que le système judiciaire américain fonctionne. Merci beaucoup, les gars, puis on accepte vos excuses. Henriette! Tiens, ton chum de l'autre soir au party. Oh, ma charmante petite fille, ils ne vous ont pas fait de mal. C'est que tu me veux, toi? Ouais, tu travailles dans le coin? Mais travailler, hein? C'est un mot tellement commun. T'as vu le bazou? Oh, c'est le genre de la compagnie. Je vous ai cherché partout, Henriette, mais personne ne savait où. Vous m'avez tellement manqué. À vue de nez, là, je dirais que le gars, il y a un kick sur toi. OK, monsieur, c'est assez. Il faut qu'on retourne chez nous, là, on est occupé. Mais attendez, mon cher. C'est votre façon de me remercier de vous avoir sorti de prison. Nous avoir sorti, comment ça? Écoutez. Je comprends. Vous êtes son frère. Ouais. Oui, je comprends ça. Vous voulez protéger votre sœur. Oui, ça, c'est normal. Ouais. C'est pour ça que la famille existe. Ouais. Mais grâce à moi, vous êtes libéré. Alors, dans les circonstances, pour montrer votre appréciation, laissez-moi sortir avec votre sœur. Hey, je connais rien à propos de toi. Où les moteurs? Ma sœur sort pas que n'importe qui. Non, bien sûr que non, ça, je comprends. Puis il faut qu'elle travaille à soir. Oui, c'est une artiste, ma sœur, tu sauras. Disons que je paye les dépenses. 500, ça vous conviendrait? 500? Bon, ça, j'en doute, hein, ça va entraîner des tas de dépenses. 1000, alors? Non. 2000? Non. 3? Pourquoi pas 5? D'accord. Henriette, prends congé à soir. Congé, comment ben, ça? Ben, sors un peu, va t'amuser. Avec lui? Oui, il nous a aidés, faut bien le remercier. Sors avec lui, amusez-vous, tous les deux. Mais j'ai pas envie de sortir avec lui, pas en tout. Henriette, commence-moi pas ça. Je viens juste d'y parler, puis je te le dis, ce gars-là, c'est un gars bien correct. Le genre de gars qu'il te faut, fais-moi confiance. Essaye d'être un peu fine avec, OK? Puis rentre-la pas trop tard. Non. Tu m'avais dit que ce gars-là, c'était un trou de cul. Henri! Il faut jamais se fier à une première impression. Ce gars-là a réussi à me convaincre de ses bonnes intentions. Comment ça va aujourd'hui, Chris? Vous avez bonne mine, on dirait. Ou peut-être devrais-je dire Christine à présent, hein? Mais comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est désorientant au début, mais une semaine ou deux et tout va s'arranger. Est-ce qu'il reçoit une dose d'hormones de façon régulière? Oui, environ 20 cc par jour. Ah, Charles! Comment ça va? On a appris la nouvelle. Vous auriez dû nous dire. Nous comprenons ces choses-là. Mais c'était le bon choix à faire. Le docteur de Palma est le meilleur. Il ne laisse jamais de cicatrices. Nous comprenons maintenant pourquoi vous étiez si troublé ces derniers temps. Ça a dû être un choix très dur pour vous. Homme, femme, quelle différence? On est tous des êtres humains. Hein? Nous sommes tellement fiers de vous. Oh, mais...
Un vieux minou en larmes, on va les laisser en famille. J'arrive dans une minute, Trésor. On va chercher le chou. D'accord. Alors peut-être qu'on pourrait causer entre nous. Ça serait le fun. On pourrait se parler des Nordiques. Ouais, pourquoi pas? Toi, attention à tes chinoiseries. C'est la femme du boss, la fille. Tu m'as-tu déjà vu faire des chinoiseries, maman? Monsieur Robert Val a l'air plutôt d'un bon gars, mais à ta place, j'essaierai pas de le mettre en maudit. T'as pas à t'inquiéter pour moi. Hey! Henriette, comment ça a été? Saint-Anne, il jase, ce gars-là. J'en ai mal aux oreilles. Ah oui? De quoi il t'a parlé? Ben, j'ai pas tout compris. Il me parlait d'un de ses chums qu'il voulait faire venir, puis si c'était correct avec moi. Un chum? Quel chum? Je sais pas, un nom de wop, fellatio, quelque chose de même. Tu peux rire, toi. Un gars comme lui, c'est assez pour une soirée. Ouais, faire venir son chum, comme tu dis, à la première date, ça a vraiment pas de sens, cette affaire-là. Ça fait qu'on s'est étendu un peu, puis là, ben, au moins, il s'est lésipé. Parle-moi de ça, Henriette. Faut jamais aller trop loin à une première date. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, Peter. De quoi s'agit-il? C'est à propos de votre fils, monsieur. Jeffrey? Oui, monsieur. Rien de grave, j'espère. Vous m'aviez dit qu'il ne prenait plus de drogue. Ne craignez rien, monsieur le président. Ni drogue, ni alcool. Eh bien, dites-moi de quoi il s'agit. D'une femme. Mais il n'y a pas de mal à ça. Tous les Américains devraient en avoir une. Pour garder le pistolet en état de tirer. Eh oui, mais il y a pire, monsieur le président. Quoi? Vous ne me dites pas que... Vous ne voulez pas dire que c'est une... Une démocrate? Non, elle est québécoise. Comment? Québécoise, du Québec. Québec? Oui, le Québec, c'est une province du Canada au nord du Vermont qui exporte surtout du sirop d'érable, de l'électricité, Céline Dion. Mais je connais le Québec, j'ai déjà visité Ottawa, c'est un joli coin de pays. Mais pour revenir à cette fille, c'est une blanche au moins. Ah oui, monsieur le président, mais c'est qu'elle est différente. Je sais, Peter, les garçons peuvent pisser dans toutes les directions, mais pas les filles. Alors venez-en au fait. Elle appartient à une couche inférieure de la société. Plus bas, c'est le règne animal. Mais comment Jeffrey a-t-il pu rencontrer une telle fille? Elle est au pays avec sa famille. Ils font partie d'un programme d'échange culturel, semble-t-il. J'ai vérifié avec l'attaché culturel. C'est une bande de voleurs. Et mon fils Jeffrey fréquente ces gens-là? Il parle déjà d'épouser la fille. Je ne serais pas étonné que la famille en veuille à son argent. Monsieur le Président, si la presse s'emparait de cette histoire, ce serait désastreux. Et avec l'élection prochaine, oh, j'ai essayé de lui parler, mais sans succès. Ouais, je sais, il a une tête de cochon. Où est cette fille pour le moment? Elle travaille dans un nightclub de Manhattan. Nous devrions peut-être lui rendre visite. Essayez de lui faire entendre raison. Avec un peu de chance, nous pourrons mettre fin à ça avant qu'il ne soit trop tard. Tu veux me dire ce que tu fais là? Hein? Tu y avais pas pensé, hein? Pensé à quoi? Au gaz. Ben, je suis peut-être pas si smart que toi, mais peux-tu m'expliquer pourquoi tu remplis cet hostie de réservoir-là avec du gaz? T'es pas bien brillant. Sais-tu ce que le gaz coûte par ici? Une pièce et 10 le gallon, quelque chose de même. Puis chez nous, plus que le double. Ben oui. C'est moi qui t'ai dit que c'était le meilleur marché par ici. Ben, c'est du profit pur et net, man. Tu pourrais mettre 5000 gallons dans ce vieil tank-là. Puis en le revendant chez nous, je pourrais me faire une fortune. Henri, le réservoir, il est ici. Ouais. Pas chez nous. Hey, comment tu vas l'amener avec toi? Dans l'avion, dans tes bagages à main? L'envoyer par la malle? Le faxer un coup parti? Toi, il faut toujours que tu viennes me fucker mes affaires. T'es rien qu'un jaloux, c'est ça. Parce que tu y as pas pensé le premier. Pourquoi est-ce que tu le lâches pas tranquille, Johnny? Il a bien le droit de se faire quelques piastres, lui, tout. Henri, je m'excuse. C'était une maudite bonne idée, OK? Mais pas exactement réalisable, dans les faits. Il y a des tas d'autres façons de se mettre riche, c'est... C'est pas les opportunités qui manquent, tu sais. À cette heure, t'es un Américain. Hein?
mine again. Tell it to the world, it's good to be his girl. He's my man, all mine again. The season of the doubt is coming to an end. Made it through the rain, he plays my blues away. Memories. Wow. Non, elle chante pas si mal. J'ai jamais su qu'elle chantait. Votre sœur a une très jolie voix. Johnny, je suis réellement, réellement, vraiment très content de la façon dont les choses vont. On devrait penser à une sorte de, d'arrangement permanent. Ouais. On pourrait peut-être finir par en parler, peut-être. Je suis inquiet, Monsieur le Président. Venir dans cette partie de la ville sans agent secret comme protection. Ne vous en faites pas, Peter. Personne ne sait que je suis là. Et personne ne me reconnaîtra avec ce déguisement. Vous ne voulez pas que je vienne avec vous? Je suis président des États-Unis. Enfin, je crois que je saurai régler un petit problème de famille. Oui, mais... Je veux seulement parler à cette fille pour éviter que mon fils commette une grave erreur. C'est le moins qu'un père puisse faire. Alors, attendez-moi ici. Je serai de retour dans 10 minutes. Bonsoir, monsieur. Salut la compagnie. Cities never sleep, while love it learns to dance. Stars are out tonight, he keeps my dream alive. My man, he is my. C'est la jeune québécoise? Ouais, c'est une très jolie fille, hein? Oui, très jolie. Vous en voulez? Non, merci, je viens juste de dîner. Oh, mine again. I'm never gonna let go. Watch la porte, va pisser. Allez, quoi, enlève tout! Hey, j'ai un peu de respect pour ma sœur, OK? J'ai mon lieu, OK. Monte tous tes tétons. Oui, vas-y, enlève tout. Montre-nous tes tétons! Ouais, vas-y, montre! Qu'est-ce qu'il y a? Je transmettrai ça au cook. Johnny. Moi ça? Bonsoir. Je vous ai entendu chanter. Vous avez une très belle voix. Merci. Mais il faut que je me change à cette heure. Oh, je m'excuse. Je regarde ailleurs. Je viens vous voir pour une affaire de la plus haute importance. Vous avez-tu vu ma femme, Madame Lavigueur? Non. Attendez, je vous apporte une autre bouteille.
Oh, salut, Trésor. On faisait juste l'inventaire. Mon tabarnak. Mon hostie de tabarnak. Oh, fuck. Qu'est-ce que tu faisais en arrière? Hein? Non. Bon, rien de spécial, ma. T'as-tu à boire? L'arsenic. Ça y est, ça recommence. Attention! Allô, police, je voudrais rapporter une émeute. Je suis ici à cause de mon fils Jeffrey. Vous voyez, je crois. Oh, merde! Une tentative d'assassinat politique. On sait que je suis là. Excusez, faites attention, il vire sur le top. Qu'est-ce qu'il cabarnac? Où est-ce qu'il sacrement? Non, non, non! J'ai été élu de façon démocratique! Je te tiens, je mon enfant de chienne! Moi, tu fais chaud, t'es ligote, mon écœur! Ok, c'est assez, ça va faire. Venez les gars, allons-y, dépêchez-vous. Mais laissez-moi. Vous pouvez pas entrer. La raison pour laquelle je suis ici, c'est que j'ai cru. Ah, qu'est-ce qu'on a ici, hein? Grand papa qui s'amuse avec sa petite fille, hein? Vous, laissez cet homme! Tout de suite! Plus vite! Et allez, les mains en l'air! Faites attention avec ces machins-là, vous pourriez causer un accident. La ferme, grand-mère! Comme vous voudrez. De sécurité nationale, je ne peux confirmer si le président était là ou n'était pas là, ou que c'est même le président qui était ou n'était pas là. Bon, j'espère que ça répond à votre question, Bobby. Hey, Charlie, où t'étais passé tout ce temps-là, man? On se faisait du sang de cochon? Ouais. Je vous expliquerai ça durant votre évaluation. Une fois de retour chez nous, OK? Mais comment ça? On doit passer un an ici. J'aimerais bien ça qu'on s'installe dans la maison, finalement. J'ai peur que les plans aient changé un tout petit peu. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vous présente l'attaché culturel, M. Labonté. Nous n'avons pu en venir à une entente avec le gouvernement américain.
Il ne porte pas d'accusation contre vous, il vous serez libéré immédiatement. Vous serez cependant obligé de quitter le pays dans les 24 heures qui viennent. Ils nous sacrent à la porte, Johnny. Ils n'ont pas le droit de nous faire ça pantoute. Faut être un peu réaliste, Johnny. Ils laissent tomber toutes les accusations. Vous auriez pu rester des mois en prison. Ah oui? Dans la même cellule que le vieux Chris avec la barbe qu'ils ont trouvé étendue par-dessus Henriette? Quoi? Non, je vous en prie, ne dites rien. Écoutez, Madame Navigat, je suis sûr que tout ce qui s'est passé va demeurer entre nous. Essayez de comprendre. Ouais, c'est bien délicat politiquement, ça je comprends, mais nous autres, on s'est fait piquer notre année aux États-Unis. Charlie, on n'est pas difficile. On peut oublier tout ce qui est arrivé à condition qu'ils nous renvoient chez nous en première classe, mm-hmm. Tout habillé en neuf, parce qu'avec tous les dérangements, on n'a pas eu le temps de magasiner pantoute. As-tu dit habillé en neuf? Une coupe de manteau de fourrure pour maman, puis Henriette, des bottes en serpent pour moi. Des cigares. Bien sûr, quelques boîtes de cigares, puis de l'argent de poche, bien sûr, puis des Rolex pour tout le monde pour qu'on n'arrive pas à l'aéroport en retard. Je crois que nous pourrons trouver un arrangement. Ah, ben c'est parfait. On a encore le temps pour un verre de champagne dans le salon des VIP. Ouais, profitons-en. Et donc, nous autres, Charlie, qu'on ne te perde pas encore une fois. Messieurs, ça a été un vrai plaisir. Hey, salut. Merci. Pour tout, messieurs. C'est la dernière fois qu'on les voit, espérons. La nation ne pourrait survivre à une autre visite. Puis, comment t'as aimé ça, maman? Ça a été toute une vacance. Ah. Pas bien, bien reposante, par exemple. Ah, puis les Américains, moi, je les ai trouvés un petit peu trop vulgaires à mon goût. Ah oui, ils ont pas notre classe. Ouais. Hey, qu'est-ce que tu lis là, Charlie? Playgirl? Ah!